C'est tout proposé de prendre un verre là tout de suite. Puis-je vous aider? Vous désirez quelque chose? Après vous, demoiselle. Tu mens. T'as menti là. Salut les bimores et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je vous ai réservé une vidéo assez particulière. Pour ceux qui me suivent, ça fait un moment, ils savent que je ne fais pas dans le cinéma et que j'ai un style de séduction, celle que j'apprends à mes clients, à mes élèves, à mes étudiants, assez simple et très efficace. Donc, dans la vidéo qui va suivre, tu me verras ramener tout de suite une nana et ensuite, dans la seconde interaction, aller boire un verre avec une autre. C'est que vous n'êtes pas prêt. Il y a très peu de coachs qui sont en mesure de vous proposer un contenu ou de faire ce que je suis en mesure de faire dans cette vidéo. Excuse-moi. Apparemment, tu es au téléphone. Salut. Je sais pas comment je vais commencer la conversation avec toi. Déjà que j'ai la pression parce que tu es au téléphone avec maman, tu vois. Et tu es camerounaise. Congolaise. Ok. À ce qui paraît, les Congolaises et les Camerounaises ressemblent un peu plus, tu vois. À ce qu'on raconte, moi je ne sais pas. Tu as vu, je n'arrive même pas à faire la différence. Tu es Congolaise. Hein? Ouais. Congo de Kinshasa. J'allais le dire. Ouais. Tu t'appelles comment? Excusez-moi. Puis-je vous aider? Vous désirez quelque chose? Je ne travaille pas ici. Moi aussi, je ne travaille pas ici. Une seconde. Trop marrant. Parce que je t'ai vu à l'extérieur. Et je n'avais rien à foutre à Zara. Mais tu m'as quand même fait rentrer. Qui es-tu? Tu vois, je suis venue faire mes courses. Hein. Ah ouais? Ouais, bah oui. Tu sais déjà ce que tu vas acheter ou pas? Non, je ferai un tour vite fait comme ça. D'accord. Ok. Je verrai après ce que je vais prendre. Pourquoi? Pourquoi ça t'intéresse? Parce que tu m'intéresses. T'es quoi? Parce que tu m'intéresses. J'avoue, c'est hyper direct. Tu t'appelles? Et toi? Congolaise. Bah, ça se voit, c'est écrit sur mon visage. Exactement. Congo. Sauf que je sais pas comment vite fait comme ça, mais je regarde les trucs. Ok. Mais rassure-moi, tu n'es pas trop du genre à regarder tous les vêtements dans un magasin. Si, je suis comme ça. Ah merde. Non, après, je fais un rapide coup d'œil et je vois à peu près ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas. J'ai envie de vous faire gagner une paire de AirPods totalement neuves. C'est la raison pour laquelle tu me diras en commentaire laquelle je ramène tout de suite et avec laquelle je vais boire un verre. Bien évidemment, le gagnant sera tiré au sort. Mais par contre, il faudrait qu'il soit abonné et qu'il ait liké la vidéo. Tu peux aussi bien évidemment faire gagner ton entourage en partageant la vidéo. Tu es allé où comme ça? Tu rentres chez toi? Ça m'arrange. Hein. Parce que si tu m'avais dit que tu allais voir quelqu'un ou tu allais faire quelque chose de très important, j'aurais su que tu n'as pas beaucoup de temps. Je suis d'accord. Mais ça va, c'est maman. J'ai regardé, tu vois. Maman, je peux lui dire à tout moment, je te rappelle dans 10 minutes, tu vois. Ah, voilà, top. Ça veut dire qu'elle est de mon côté. Si tu dis. Viens, on marche un tout petit peu. C'est nul de rester comme ça. Je m'en fous. C'est un grand garçon. Tu m'as pas dit ton prénom. Et tu n'as pas demandé le mien. Ah oui, comment tu t'appelles? Ulrich. Tu descends là. Est-ce que tu es obligé de rentrer maintenant? Non. Mais oui. On dirait que tu n'oses pas me regarder dans les yeux. Ah mais non. Ça me fait rire en fait. Quoi? Moi j'ai le droit, mais c'est drôle. Le fait que je sois venu te parler. Oui. Tu as laissé la nuit. C'est un grand garçon. Donc, à tout moment, on pourra se rejoindre. Et il y a des priorités dans la vie. Tu n'aurais pas laissé ta copine pour moi? Non. Pas du tout. Ok. Ça veut dire que je suis très entreprenant. Très avenant aussi. Ouais. Je t'ai laissé sous-entendre tout à l'heure. Ouais. Je t'ai laissé sous-entendre que tu étais congolais. Exactement. Mais alors, c'est quoi alors? Pour te mettre sur de fausses pistes. Ah, ok. Camerounais. Ah ouais? Non, on dirait pas. Je regrette. Je regrette de chez nous. La plupart du temps, on dit entier.
Je pense que ça, ça tirait bien, tu vois. J'aime pas. Tu mens. Hey, t'as menti, là. La prochaine fois, fais-moi signe. Normalement, moi, j'ai l'habitude de faire des courses avec mes clients. De faire du shopping avec mes clients. Personne n'achète pas ? Ça m'arrive. Ah ouais ? Je suis plus coach en dev perso, mais j'accompagne mes clients aussi à mieux s'habiller, tu vois. C'est très important. Au niveau de la conscience, au niveau de l'estime de soi. Et toi, tu fais quoi ? Ça tombe bien parce qu'en plus, je suis sur les réseaux et je cherchais en fait, enfin, une personne changer entre guillemets un peu mon style. Ok. Mais après, je dis pas que je m'habille mal, mais genre juste que je voulais adopter un style un peu différent. Je vais faire ce que on n'a pas l'habitude de faire, ce que 95% d'hommes n'ont pas l'habitude de faire. C'est te proposer de prendre un verre là tout de suite avec toi. Là, on est à Aubert. Il y a des bars partout. Et prendre un verre, c'est pas une histoire d'une, hein, tu vois, parce qu'on n'avait pas prévu. Tu n'avais pas prévu, je n'avais pas prévu. Mais j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Prendre un verre, c'est une histoire de 15 minutes. Je pense qu'on va... Tu as déjà pris un verre ici ou pas? Attends. Comme ça. Tu m'avais déjà repéré en fait. Et je t'avais plus. Non, ne réponds pas. Donc tu savais d'avance que j'allais venir te parler. Ok. Je me suis fait cramer même avant d'avoir commencé. Ok. Je pense que c'est lui. Attends. Ouais, juste là. J'ai l'impression de plus te distraire qu'autre chose. Ouais, mais t'inquiète, je regarde en même temps. Okay. Tu vas pas m'éloigner de mon but. Enfin, pourtant, c'était mon objectif. T'éloigner de... Attends, tu veux plus ressembler à ce style? C'est toi, ça, hein? Non, c'est moi. Okay. Je veux changer. Ok. Ah, ben, j'ai bien fait de venir ici. Et du coup, toi, tu faisais quoi dans le quartier? Parce que je sais qu'on est clairement en mesure de faire 10 likes sur cette vidéo. La suite sera publiée si et seulement si on atteint les 10 likes. Et je suis sûr et certain, tu n'es pas du tout prêt pour la suite. Cette suite va casser énormément de pensées limitantes. Il y a énormément de personnes qui vont contester l'authenticité de la vidéo. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine et à vous de jouer.